Ladies and gentlemen, welcome again for this post-match press conference. Just to remind you, please to switch off your mobile phone or to put it on silent. Please, for the translation, it's available channel number one, it's for Arabic, channel number two, it's for French, and channel number three is for English. Welcome, Coach Aidara, Cote d'Ivoire coach. Coach, your comment about your match today against Algeria. You played, but on the final, you lose. Bien, je vous remercie. Je pense que c'est un match, comme on l'avait dit à la conférence d'avant-match, c'était un match qui était difficile pour les deux équipes. Un match qui s'est joué sur des détails, à très peu de choses. Je pense que c'est difficile, c'est beaucoup de regrets avec ce qu'on a vu, ce qu'on aurait pu faire. Je pense qu'on a appris beaucoup. On va retourner au travail. Certainement que si on a la chance de se qualifier pour le prochain champ, il y a beaucoup de choses qu'on va corriger. Voilà. Yes, we'll take some questions. Ardouane. Salam alaikum, Ardouane Mahdawi, Chourouk News. Coach, comment vous avez trouvé l'équipe nationale algérienne? Et est-ce qu'il y a vraiment un potentiel pour gagner cette chaîne, surtout que vous étiez les deux favoris dans cette compétition? Bien, je pense que je l'avais déjà souligné hier, c'était une belle équipe. Mais bon, peut-être que cette équipe-là a d'autres atouts, donc elle va remporter certainement. Voilà. Mohamed. Bonjour, coach. Hard luck. Coach, justement, comment vous expliquez cette élimination, surtout à la dernière minute de jeu? Oui, je l'ai dit, c'est difficile. C'est difficile pour un entraîneur de travailler dur, pour arriver à ce stade-là et puis perdre sur certains détails. Vous comprenez que c'est un peu de la frustration et tout ça. Mais comme je l'ai dit, on a perdu certainement le match, mais je pense qu'on a appris beaucoup de ce match. Voilà, c'est ce que je dis, il va falloir travailler encore sur certains détails et puis gagner de la maturité pour le futur. Voilà. One question here, please. Bonsoir coach, Mohamed Amin, Frère Bella TV. Coach, vous avez beaucoup de problèmes dans le secteur offensif comme l'Algérie. Vous avez marqué des buts dans votre troisième match face à l'Ouganda. Mais aujourd'hui, on a vu aussi pas mal d'occasions ratées par l'équipe de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela vous a fait préjudice dans ce match-là pour la qualification en demi-finale? Certainement. Si on perd 1-0, c'est parce qu'on n'a pas pu marquer. Maintenant, si vous me dites qu'on s'est créé des occasions, qu'on n'a pas pu les concrétiser, c'est ce que je dis, ça peut être un manque de maturité. Voilà, on a beaucoup de jeunes. Peut-être que prochainement, il ne frappera pas, il fera un crochet et tout ça. Voilà, il va refaire le film. Chacun fera le point de sa participation à ce champ. Et puis, voilà, ils vont grandir encore davantage. On espère les avoir pour le futur. No questions. Thank you, Coach Aidara. And wish you best of luck for the other competition with the Ivory Coast team. Thank you. Merci, je vous en prie.